qu'est-ce qu'il cherche? Ah, salut à tous ses amis, ça craint du boudin. Il faut que je cours, 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 cours. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je disais? Oh tiens, bouffe ma grenade aveuglante et fous-moi la paix. Prends mon couteau. Ah ah, je vais me faire bouffer. Fous-moi la paix, Rasta. Ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. Oui. Et ça? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche encore d'ici. Tout va bien. Tout va bien. Cinquième épisode, hein. Déjà. Je fais mon inventaire parce que... catastrophe d'organisation. Voilà. J'ai gaspillé beaucoup de munitions dans cette histoire. Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Ouais. C'est quand même fameux le trou, hein. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. M'étonne quelle pagaille, les gens sont venus dévaliser le magasin. On va avoir de quoi se défendre. Des grenades normales, ça j'en ai, hein. Alors que les grenades flash, c'est ce qui est le plus utile pour les liqueurs. Hein. Tout pillé, j'ai tout pillé. Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non! Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada, laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait.
T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein? C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt te mettre au lit aussi. D'accord? Emma. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi lui ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Bien, allons-y. Tu connais Umbrella ? N'est-ce pas ? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Ouais. Allez, on y va. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle, à Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Passons par là pour être honnête. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. J'avance plus vite que les dialogues. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des Affaires. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Waouh ! C'est un tremblement de terre ? J'aimerais tellement que ce soit ça. C'est quoi ça ? Mais attention ! C'est pas à quoi on... Je sais pas quoi on a à faire. Voilà, j'ai sauvegardé parce que c'est jamais que je meurs comme un claque. Comme un caca. Comme un caca caca. Je vérifie. Fameux trou U. Encore ? Il y a encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. T'es sûr que c'est par là ? Malheureusement. Attends. C'est pas vrai. Léon, reste pas là. Putain de merde !
Bon, t'es calmé, espèce de saloperie. Eh ouais, saloperie. Ada, baisse-moi l'échelle. Ada, t'es là? Ah, te voilà. Léon, par ici. Eh, c'était quoi ça? Tais-toi et monte. Oh, ça va, ça va. Bon, je me fais agresser. Verbalement. T'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionné que tu t'en sois sorti. Allez, c'est PNJ qui a le pouvoir de baisser l'ascenseur en plus ici. Comprendre. Umbrella vend ce genre de monstre à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant, Annette est bien plus dangereuse. Ok, moi je dis tout va bien, dans le meilleur des mondes. Notre coffre, tac, au sauvegarde. Je vérifie que j'ai rien oublié, on passe à la suite. Ça, c'est du bien de cracher. Hey, qui êtes-vous? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche? Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore? Dernier avertissement. Ah oui? Hé hey! Arrêtez! Ada! Vous n'aurez jamais le virus G! Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation, sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Tu peux toujours courir, Annette. Mais tu ne m'échapperas pas. Oh non, on n'échappe pas à Ada Wong. Hop, voilà, voilà. Cette fois-ci, c'est un peu un retour forcé aux sources des munitions limitées. Et ouais. J'ai bien beau de s'amuser avec des armes limitées, mais on va voir comment je vais m'en sortir maintenant. Allez. Vrai jeu d'enfant. N'est-ce pas? Allez, on va essayer de s'en sortir relativement bien. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, hein, la galère que j'ai eue dans la campagne principale de Léon. Avec Ada. Hop. Voilà. Il y a un petit zonzon qui est juste là, mais...
Honnêtement, on sait l'ignorer facilement. Hop. Cours, cours, cours. Hop, hop. Il suffit juste de foncer. De foncer, de pas trop réfléchir et de faire attention. Il m'a fait très très peur. Enfin, c'est pas grave. Ici, je vais essayer de le contourner un petit peu. Si ne bute pas contre un obstacle, un abruti. Oh, et ta sœur est Balbeur. Il n'y a rien de toute façon. Me mettre la pression à ces zonzons. Je te tiens maintenant. Tu détales toujours aussi vite. Je dois le reconnaître. Tu parles d'un sacré pot de colle. Franchement, il y a le temps. Il y a le temps. Si vous ne traînez pas comme des cons. Et hop! Et voilà! Il a même pas eu le temps d'essayer de me foutre une beigne. Attends, je suis où là? Ah là là. Elle court avec une grâce. Une belle grâce. Cours, Ada, cours. Bravo! Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question que vous touchiez au virus G. Je suis pas la seule à le vouloir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. C'est ce qu'elle fait. Garce. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer pas. Avant cette date. Ça risque pas. Ouais. Attention, spot aveuglant en approche. Maintenant.
Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Mm-hmm.